tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. On est super heureuses de vous voir aussi nombreux ce soir. Comme l'écrivait très justement ce matin Constantis dans une publication, l'éducation sexuelle n'est pas obscène, mais nécessaire. Nous sommes en fait partie du constat que nos cours d'éducation sexuelle, parfois inexistants, se résumaient bien trop souvent à ça. La prévention des IST-MST, le fonctionnement des règles, la reproduction, les sexualités abordées d'un point de vue exclusivement masculin et hétéro, et l'éternel préservatif déplié sur une banane. Il serait peut-être temps, en 2019, de lever les tabous sur la manière dont on aborde le sexe. Qu'on se le dise, regarder du porno, ça peut être bien, mais s'éduquer au porno, il en est hors de question. Et pour pallier ce problème, l'éducation sexuelle positive s'impose. Les Chahuteuses, c'est une association qui œuvre pour des sexualités joyeuses et qui crée des événements en fait, qui sont des espaces d'exploration pour pouvoir amener cette discussion-là et expérimenter ce dont on n'a pas l'habitude de parler dans notre vie. Avec les Explos, on veut multiplier les moments de parole autour du corps des femmes. Le but, ce serait de créer une communauté intergénérationnelle et intersectionnelle qui essaie de recréer une nouvelle forme de parole autour de l'intime qui serait un peu plus empreinte d'humour et de légèreté. Alors, on est Sarah Constantin. Et Elvire Duval-Charles. De Clit Révolution. Alors, Clit Révolution, c'est une série documentaire participative où on part en road trip à la rencontre de femmes partout dans le monde, des femmes qui sont des héroïnes pour nous et qui se réapproprient leur sexualité pour défier la norme et botter le cul du patriarcat. Donc on fait partie de l'association Consentis, c'est une association qui a été créée il y a à peu près un an et qui a pour but de faire de la sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles dans les lieux festifs. Alors moi c'est Paola, je représente une association qui s'appelle En Avant Toutes, qui est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, spécifiquement aux jeunes femmes, et c'est l'association qui a créé le premier chat pour les jeunes femmes victimes de violences, donc c'est comme si on appelait un numéro, sauf que là on a une réponse par une écoutante sur internet. Bonsoir, je m'appelle Fanny, je représente Génération Cobaye ce soir, une asso qui sensibilise aux liens qu'il y a entre santé et pollution environnementale. On utilise le prisme de la sexualité pour s'adresser aux 18-35 ans, et donc on a créé la campagne des 7 commandements de l'éco-orgasme. Ok, donc je suis Manon Jovenot de la Lovely Company, on est une compagnie de théâtre et on fait des spectacles féministes et engagés. Porter des soutiens-gorge, non ? Le tout, c'est juste de ne pas culpabiliser, en fait, qu'on en porte ou qu'on n'en porte pas. Actuellement, il y a toujours cette barrière de le corps féminin est sexualisé. C'est la dépossession du corps de la femme en le transformant en quelque chose qui n'est pas. Sur la question du rapport au corps, personnellement, j'ai rien trouvé de plus libérateur que de voir des illustrations. En fait, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a d'autres corps qui existent. Non, mais c'est vrai qu'actuellement, en termes de plaisir, il n'y a qu'un angle de vue, que c'est l'homme dominant qui pénètre. La femme est toujours soumise à ce même schéma. Est-ce qu'on parle aussi des séries ou des films où en 2 secondes le mec il la plaque contre le mur? C'est un schéma qui est pas que dans les contenus pornographiques, c'est un schéma qui est partout. Quand je vois qu'il la pénètre et qu'elle jouit direct, je me dis mais c'est une blague en fait. C'est ça l'image qu'on donne aux jeunes. Et parce qu'on parle pas de plaisir, l'amour c'est pas uniquement la pénétration. C'est quoi la fin d'un rapport sexuel homme-femme? Pourquoi c'est terminé? Je pense qu'on est tous ici convaincus que c'est nécessaire d'en parler. Je pense qu'on aurait tous beaucoup mieux vécu notre vie sexuelle si quelqu'un nous en avait parlé. Alors on a beaucoup parlé d'éducation ce soir, parce qu'il y avait différents thèmes. Pas mal la parole aussi dans avec son partenaire, dans un couple, c'est vraiment important de discuter. Donc par exemple on a parlé du consentement et on s'est rendu compte au fil de la discussion que bien souvent le consentement n'allait pas de soi, il ne s'agissait pas simplement d'un oui ou d'un non, et qu'on n'était pas éduqué à parler de ce qu'on ressentait, de ce dont on avait envie, de ce dont on n'avait pas envie, et à poser la question à l'autre et à recevoir sa réponse. D'en parler et de ne pas laisser les choses faire. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je me sens dans un âge où j'ai encore besoin d'être éduquée. On a souvent évoqué des œuvres artistiques qui, je pense, peuvent permettre de diffuser des idées en étant dans une certaine sécurité, parce qu'on sort un petit peu le propos de soi-même et on parle d'art, donc ça peut paraître plus évident. Et en même temps, ça permet de soulever beaucoup de questions et parfois même d'apporter des réponses, de libérer la parole. Alors, il y a beaucoup de discussions, surtout au niveau de l'âge. À quel âge commencer à introduire l'éducation sexuelle? C'est vraiment quelque chose qui fait débat de manière générale. Donc, ce volet-là, éducation parents-enfants, et le volet réseaux sociaux, parce que c'est un espace formidable, un terrain de jeu formidable qui peut avoir des dérives, mais sur lequel on peut faire tellement de choses et il faut l'investir, l'envahir d'initiatives positives. Et c'est vrai que ce soir, on a beaucoup parlé de communication. Là, ce genre d'initiative par Asteria, c'est pile dans ce qui est nécessaire et utile au quotidien pour libérer la parole et l'écouter surtout. J'ai trouvé ça hyper divertissant, hyper
J'ai appris beaucoup de choses, et c'est super de pouvoir échanger avec des gens qui viennent d'horizons différents, d'environnements différents, de pays différents, qui ont des visions différentes des choses, qui n'ont pas peur de communiquer, et qui disent les choses personnelles aussi, qui témoignent et qui partagent les choses, et c'est comme ça qu'on avancera. Etc.